avoir une valeur spécifique pendant un temps précis, la partie conductrice du fusible fond et ouvre le circuit. Certains modèles sont munis d'un témoin mécanique indiquant que le fusible a fondu. Le temps nécessaire à la fusion du fusible est fonction de la valeur du surcourant. Une faible surintensité peut être supportée indéfiniment. L'ordre de grandeur de la précision d'un fusible est de 0% plus 100% de sa valeur nominale. Il supporte toujours son courant nominal, 0%, mais certains exemplaires du même modèle pourront supporter le double, plus 100%. Cela confine son usage à la protection contre les pannes franches. Un fusible est caractérisé par son courant nominal, son I puissance de T, produit du carré du courant par le temps, grandeur proportionnelle à l'énergie absorbée par le fusible, par son pouvoir de coupure qui doit être supérieur au courant de court-circuit que peut fournir la source d'alimentation, par la tension maximale de coupure, présente à ses bornes une fois ouvert, et éventuellement par sa résistance ohmique. Un fusible est sensible à la chaleur, il s'ouvrira pour un courant plus faible si sa température d'utilisation est élevée. D'autre part, la durée de vie d'un fusible peut être affectée par des courants de charge variables et cycliques, de périodes comprises entre quelques secondes et plusieurs heures. Les dilatations et contractions entraînées par les échauffements et refroidissements successifs dus aux variations de courant provoquent un vieillissement prématuré du métal, pouvant aboutir à un fonctionnement indésirable du fusible. Cet effet est recherché dans les fusibles thermiques, où la rupture de l'élément fusible est provoquée non par l'augmentation du courant qui traverse le fusible, mais par l'échauffement du corps du fusible placé sur une pièce dont on craint un échauffement excessif.